Ce matin, on part au village d'antan de Drummondville. On n'est jamais allé. On va découvrir ça aujourd'hui. Wouh! Toi, t'es prêt? T'avances comme ça, toi? Hop, 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 t'avances plus vite, là. On a aussi reçu notre nouvelle voiture, fait que c'est avec ça qu'on part. J'ai pris une journée de congé puis on s'en va visiter cette place historique là. Ça fait partie de notre cursus d'école, hein? C'est mieux d'être cool. C'est mieux d'être cool. Je pense que ça va être chouette. Donc souvent dans les villages québécois d'antan comme ça, ben il y a deux genres de choses. Il y a des spectacles qui sont quand même assez cool. Puis il y a des messieurs qui font semblant de faire un travail dans des cabanes. J'espère qu'il y aura un bon équilibre entre les deux, parce que voilà. On est venu parce que j'ai entendu qu'il y avait un tarif famille qui n'était pas juste pour deux adultes, deux enfants, ou deux adultes, trois enfants, mais qui était pour deux adultes et leurs enfants. C'est vrai. Alors, c'est ça. En fait, le tarif adulte ici, c'est 40$. Puis là, pour une famille, c'est 93$. Fait que toutes les enfants inclus. Avantageux, là. Les curieux, donc des gens qui font des métiers, comme je disais tantôt. Ah ouais. Papa. Les gourmands, donc des trucs qu'on ne peut pas bouffer. Enfin! Ben, il y a de la cabane à sucre aussi. Oh. Les artisans, les cœurs d'enfants. Les bonheurs d'occasion, c'est les scènes. Ouais. On se pogne pas le beigne au village. Quand on va avoir dépassé ça, on va aller par là. OK? D'accord? Machine à voyager dans le temps. On va voir avec l'entente cette machine. Belle, hey, ça, j'aime ça, une belle grande famille, quand même. C'est encore des petits joufflus. Des petits joufflus. Oui, checker, des petits joufflus. C'est tout à vous. Neuf. Neuf? Ouais, il y a lui. Tout à vous? Il y a un autre dans le dos, en plus. Hey. C'est tout à vous? Ben oui, ben oui. Hey, ben, mon Dieu, c'est là. Étiez-vous blonde? La ouais, madame est-elle blonde? Ma femme est blonde, donc, oui. Bon, l'apothicaire, là. Il y a trop de monde chez l'apothicaire. Ben, qu'est-ce que c'est, ça, Mimi? C'est le jardin de l'apothicaire. La mélisse, la menthe, millepertuis, saponnerre, la sauge. Ça, c'est une pointe folle. Coupe de pointe pour récupérer. Ben oui, c'est des poils. Des poils en fonte comme nous autres. Téléphone? Ben en fait, tu mets ton oreille là, tu parles là, puis ça. Les gars qui arrivent, je le vois tout le monde. Arrête, il y avait plein d'autres gens. Hey, c'est là, toi. Oui, ils sont foutés. On tourne, on tourne.
belle avec la gueularde. Oui. Yeah. Savez-vous pourquoi des fois les photographes ils changent de métier? C'est parce qu'ils perdent le fond. On est les prochains, venez, venez. C'est le photographe qui a fait l'inauguration du château Frontenac en 1893. Il faut faire attention. On regarde ici, on envoie dans l'ancien de la passion, du désir et du bonheur parce qu'on va être dans l'amour pour toujours. Oh! Oh! Oh mon Dieu. Oh non, chapeau. Parfait. Pour madame ici, tu vois le peigne ici, tu le rentres dans le toupet en avant, d'accord? Excellent. Pas ma chère avec le rose, ça va aller à merveille. Alors. Lui, est-ce qu'il y a un autre chapeau pour un vrai monsieur, là? Oui, il m'en reste un autre. Enlève ça, toi. Ah. Être photographe, c'est un métier de passion. Vous savez, monsieur. Il y a des coffres! Montre-moi. Regarde, il y en a deux, là. C'est à nous. C'est un peu très beau, là. Son nez il est dégueulasse. Puis il y en a deux là. Ah. C'est dégueulasse! Bon, ici on est chez le docteur. Lui, il a plus de moyens. Non, je trouve que le village est d'accord. Nos deux familles sont d'accord ici. Même M. le curé il est d'accord, mes amis. J'ai vraiment envie que tu sois ma femme, Blanche. Oui. Oui, il a cherché. Dis non. Et voilà, on vient de repasser le tunnel, la machine à voyager dans le temps. Puis là, on est sorti du village d'antan, on retourne en 2023. Somme toute, une bonne journée au village d'antan. On est bien fatigué. Quoi de mieux pour aller relaxer que d'aller faire... un Costco. Un Costco. Tiens, Sopal. On va bien. Bon, là, faut aider. Enfin, on avait une belle petite poutine grosse comme oui. Ça. Encore la moitié de qu'est-ce qu'on a au Costco pour 3 fois le prix, littéralement. 6$ la belle grosse poutine. Oh, ouais. Le gros, c'était... Jeanne et Laurent, tu peux m'aider? C'est ça qui met fin à notre petit épisode de la visite au village d'antan. On va aller s'occuper des enfants, là. C'est un petit épisode simple, là, pour un petit souvenir. On vous salue, puis on espère qu'on se revoit bientôt, là, dans des circonstances encore plus agréables. Salut!